it's time to kiss them all good night. Samuel L. Jackson, The Long Kiss, Good Night. Au début des années 90, Reini Järvinen est un réalisateur finlandais en vogue pour ses films d'action. Avec Freddy 4, qui a été à son époque le film le plus rentable de la saga, et les succès de Die Hard 2 et Cliffhanger à son palmarès, il a le choix parmi des projets à Hollywood. Mais il préfère se concentrer sur lui et son épouse de l'époque, l'actrice Jenna Davis, primée à cette époque avec Thelma et Louise, et qui s'est fait une bonne place avec Une équipe hors du commun. Il crée une société de production en 1994, The Forge, où il fera un partenariat avec New Line Cinema, et produira et développera en plus des films, des jeux vidéo, émissions télévision, magazines et des restaurants à thème. Cela pour faire avancer la carrière de Jenna Davis. Le premier film de The Forge et du couple plus puissant d'Hollywood sera Chérie, vote pour moi, avec Michael Keaton comme partenaire de jeu de Jenna Davis. Shane Black, le scénariste de L'Arme Fatale et du Dernier Samaritain, propose à Reini Järvinen un scénario où il pourrait mettre son épouse Jenna Davis devant la caméra pour jouer le rôle principal et le tout premier film d'action de la star. Le couple étant très intéressé, Shane Black vend son scénario pour 4 millions de dollars, qui est un record à l'époque. L'idée était de faire ce film d'action tout de suite, mais Reini Järvinen et Jenna Davis étaient contractuellement tenus de faire L'île aux pirates avant. Ce film de pirate avec l'actrice au premier plan fera un bide à sa sortie, perdant une somme d'argent record et mettant la société Carolco en faillite. Le film écrit par Shane Black et réalisé par Reini Järvinen, Au revoir à jamais, sortira quelques temps après L'île aux pirates. Mais malheureusement, le mauvais retour et la mauvaise réputation du film de pirate nuira à ce film d'action très sous-estimé à sa sortie. Samantha Ken a tout d'une femme ordinaire. Cette mère de famille mène une existence tranquille en compagnie de sa fille et de son conjoint dans une petite ville. Elle fait appel à des détectives privés comme Mitch Hennessy pour se rappeler de son passé, car elle a été retrouvée amnésique avant cette vie tranquille. Son passé va la rattraper quand des tueurs vont la traquer, et qu'elle se découvre des réflexes d'autodéfense. Samantha et Mitch vont alors tenter de découvrir qui elle était. Elle va découvrir qu'elle a été une tueuse d'élite, et cette dernière, Charlie, va refaire surface devant les yeux de Mitch. Ils vont tomber tous les deux dans un engrenage mortel, sanglant et explosif. Sorti en octobre 1996, Au revoir à jamais remportera 33 millions de dollars sur le sol américain contre 65 millions de dollars de budget. Cela freinera fortement la carrière de Jenna Davis et anéantira tout espoir d'une éventuelle franchise, avec une suite provisoirement intitulée The Kiss After Lightning en version originale. Une tragédie s'est également produite pendant le tournage dans l'hôtel historiquement centenaire The Windermere House, situé dans l'Ontario. Cet hôtel a été complètement détruit par un incendie causé par les équipements d'éclairage de la production. La production d'Au revoir à jamais a déménagé à Collingwood, toujours dans l'Ontario. C'est un film très coloré, parsemé de routes secondaires enneigées dans des petites villes, de guirlandes lumineuses multicolores, de musique festive, c'est une vraie carte de vœux. Il transpire Noël dans chaque scène. Ce cadre de vacances très agréable et chaleureux est celui que le scénariste Shane Black a toujours utilisé dans la plupart de ses scripts, comme L'Arme Fatale, ou plus tard dans ses réalisations comme Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 ou The Nice Guy. Les scénarios de Shane Black ont un certain nombre de facteurs d'identification. Le bavardage grossier, le chaos, la violence et l'échec de culpabilité et de dépression, ici porté par le personnage de Mitch, joué par un Samuel L. Jackson parfait pour le rôle, son préféré de toute sa carrière selon ses dires. Ce dernier, comme la plupart des personnages de Shane Black de Loser Magnifique, trouvera la rédemption et la paix intérieure au final. Comme ce fut le cas avec le personnage interprété par Bruce Willis, détective privé isolé et alcoolique, dans Le Dernier Samaritain. La thématique de l'enfant très important dans les récits du scénariste est ici également retranscrit avec le personnage de la fille de Samantha, qui fera le lien entre les deux personnalités de la protagoniste principale amnésique. Jenna Davis interprète les deux personnalités avec brio, que ce soit Samantha en mère de famille ordonnée, qui cherche à tout prix à découvrir son passé, et qui se découvre des dons particuliers. Et Charlie en tueuse violente et sans pitié, qui contrairement à son alter ego ne supporte pas les périodes festives et la vie de famille, mais ne pourra pas nier son instinct maternel quand sa fille sera mise en danger, d'où le lien entre les deux. En apportant une profondeur réfléchie à Charlie,
Jenna Davis transforme le personnage en un réquisitoire accablant des stéréotypes restrictifs appliqués aux femmes, sur les écrans ou dans la vie privée. Ce personnage prend place aux côtés de Sarah Connor de Terminator 2 ou Ellen Ripley d'Aliens en tant que figure maternelle emblématique dont la violence est enracinée dans l'empathie autant que la colère. Jenna Davis s'amuse avec ce rôle et ça se voit à l'écran. Elle incarne Charlie avec une témérité décomplexée, une diablesse badass soulignée par du mascara foncé et menant les moments de bravoure avec grâce et générosité. L'alchimie avec le personnage de Mitch renforce l'efficacité du film et nous montre un duo savoureux qui se balance des vannes très drôles. Dans la première mouture du scénario, le personnage de Mitch devait mourir, mais le public test ayant apprécié ce personnage ont détesté l'idée. Les scènes ont été alors retournées. Au revoir à jamais présente des décors spectaculaires et des cascades vertigineuses. Les scènes d'action sont impressionnantes et Rainy Harlin les filme avec son habituel brio. Comme dans deux de ses films précédents, Die Hard 2 et Cliffhanger, Rainy Harlin nous prouve son efficacité dans le registre des films d'action enneigés. L'idée de chaos est ici représentée dans une séquence fantastique dans une gare où les balles fusent, les papiers volent comme de la neige et où l'atmosphère est plongée dans un chaos enfumé. Mais également dans une scène finale explosive et très impressionnante. Le tout pendant que la partition musicale d'Alan Silvestri joue sur l'action, celle d'une découverte dangereuse et d'une aventure explosive imminente.